En Côte d'Ivoire, les pompiers sont en première ligne pour intervenir en cas d'incendie ou de situation d'urgence. À l'occasion de la Journée mondiale des pompiers célébrée le 4 mai, les Ivoiriens se prononcent sur le regard qu'ils portent sur les soldats du feu. On va dire heureusement non. Ouais, j'ai jamais eu recours aux sapeurs-pompiers. De manière spécifique, personnellement, non. Oui, j'ai déjà eu recours aux sapeurs-pompiers. Non, je n'ai jamais eu recours au service des sapeurs-pompiers. Oui, j'ai déjà eu recours au service des sapeurs-pompiers. J'ai jamais eu recours au service des sapeurs-pompiers. Un retour auquel j'ai assisté, on va dire, c'était une bouteille de gaz qui avait pris feu. Une bouteille de fêteau, comme on dit. Et puis, ils sont venus. Il y a une certaine différence, il y avait une certaine tactique, ils avaient une certaine maîtrise de la chose. Et heureusement, ils ont pu éteindre la bouteille en étant record. Et ce qui m'a plu ce jour-là, c'est qu'en même temps, ça leur a permis de faire des formations. Ils ont formé les personnes qui étaient là. Dans le quartier à Blocos, il y a eu un incendie au milieu de la nuit, aux environs de 3h, 4h du matin. Donc, tout le quartier est sorti. Comme on a l'habitude de dire, tout le quartier est dehors. Et les jeunes ont essayé de maîtriser le feu, mais ils n'ont pas pu, jusqu'à ce que les sapeurs-pompiers arrivent sur le site. Et bon, ils ont la maîtrise, ils ont pu maîtriser. Au rond-point d'Aboisso, au feu, il y a un gros camion qui a raté le virage et ça a pris même le poste de police qui était là. Et ça a tout détruit. Mais c'était les sapeurs-pompiers qui se sont rendus sur place tout de suite pour pouvoir évacuer ces personnes qui étaient victimes de cet accident. Il y a même un policier qui a perdu la vie dans cette situation. Un jour dans mes balades, il y avait une personne qui avait besoin de soutien. Et bon, moi, je ne suis pas au service, donc j'ai appelé les pompiers pour venir en aide. Et ils sont arrivés peut-être 10 ou 15 minutes après. En tout cas, c'était vraiment rapide. Moi, je m'attendais à ce qu'ils ne viennent pas du tout, mais ils étaient là. Et voilà, ils ont porté secours, ils ont été professionnels, ils l'ont fait rentrer dans leur véhicule et ils sont partis avec elle. Donc, je sais que c'est bien fini parce qu'il y a eu l'appel après pour dire qu'elle se porte mieux, sa situation est stable. Plusieurs fois, j'ai eu écho de leurs différentes interventions dans certaines communes. Donc, vraiment, ils jouent un rôle très, très capital dans une nation. Souvent, quand ils appellent, peut-être que l'indication qui fait défaut fait qu'il y a du retard. Je ne justifie pas leur position. Mais cela fait, si ce n'est pas bien indiqué, ils peuvent venir prendre un bon retard. Ça peut aussi le fait de quelques, entre guillemets, plaisantins qui ont bien joué à ce jeu. Ça fait aussi qu'ils ne peuvent pas arriver. Et c'est tout, l'un dans l'autre, qui fait souvent qu'on entend dire quelques médisances sur ce service. De ce que j'entends, c'est qu'ils ne sont pas vraiment, vraiment disponibles. On dit qu'ils ne sont pas là, qu'ils ne viennent pas à temps. Mais après aussi, bon, on dit qu'ils ont souvent des blagues. Il y a des appels où des gens ne sont vraiment pas en danger. Et ils les appellent pour juste blaguer ou s'amuser. Donc après aussi, je me dis que ça agit un peu sur leurs différentes compétences. Sur le terrain, on a senti la différence entre les sapeurs-pompiers et puis la jeunesse. Mais ils ont été en retard. Donc c'est ce qui est un peu déplorable parce qu'à chaque fois, ils sont un peu en retard, mais ils sont efficaces sur le terrain. Généralement, le retour que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de retard avant qu'ils interviennent. C'est vrai, quand on va les appeler, ils viendront, mais c'est avec beaucoup de retard. Souvent, quand ils viennent, le dégât est déjà causé. Donc ils n'arrivent pas à temps pour régler le problème. C'est vrai, ils sont importants, mais s'ils arrivent à corriger un peu ce défaut-là, je crois qu'ils seront encore plus efficaces. Je salue même la célérité avec laquelle ils travaillent. Parce que quand ça s'est passé, quelques temps plus tard, je ne sais pas, bon, ils sont ouverts à tout appel téléphonique. Donc ils ont agi avec promptitude ce jour-là. Je salue leur promptitude également. Je pense que tout devait se corriger par la communication. Eux-mêmes, pour leur bon nom, ils devaient, franchement, à mon avis, se fait connaître par la population. Leur dire le rôle réel, être proche de la population, ça peut éviter certains risques, ce que nous voyons. C'est ce que je vois pour améliorer l'efficacité sur le terrain, la ponctualité aussi sur le terrain, pour qu'ils viennent à temps pour maîtriser le feu, construire des voies d'adressage dédiés aux sapeurs-pompiers pour que ces derniers-là soient assez rapides, éviter les bouchons, arriver sur le site et maîtriser le feu. Aussi, avoir un système de géolocalisation
pour qu'on ne se perde pas sur la voie, essayer de trouver les sites, c'est identifié à l'avance et puis la voie ici est dégagée, donc ils seront rapides. Qu'il y ait dans presque chaque secteur des sapeurs, un certain nombre, même s'ils sont deux quelque part, les sapeurs-pompiers juste à côté, comme ça, dès qu'on appelle, ils interviennent plus rapidement. Comme ils font bien leur boulot, ils sont là. Quand ils sont disponibles, quand ils viennent, ils font du bon boulot. Donc en gros, je peux dire des pompiers qui sont aujourd'hui recommandables et l'idée qu'on avait d'eux aujourd'hui, c'est le jour et la nuit. Les pompiers maintenant, ça va vite. On a vu un peu à Abidjan, lorsqu'il y a le feu, ils sont toujours premiers sur les lieux. Donc voilà, bonne fête à eux.